Bonjour mes petites fessures, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je tousse toujours, mais c'est rien grave, c'est juste avec le temps. Et ce matin, j'ai reçu le petit colis. Et en plus, je vous ai même pas demandé. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi, ça va un peu mieux, à part que j'ai toujours mal à mon genou. Mais on va faire avec. Et du coup, on va s'ouvrir le petit colis aujourd'hui. Et voilà, je bouge un peu, vous connaissez, vous savez, je ne sais pas mais je vais vous en parler. De toute façon, en ouvrant ce colis, je ne vais pas montrer, le papier de soie est orange. On voit mieux dans la lumière. Du coup, comme toujours, on a deux jolis marque-pages, qui est toujours mignon. Alors, on a en premier goodies, comme on a déjà eu un porte-clé. Avec plein de trucs dessus. Et alors c'est ça que je voulais vous en parler. C'est ça d'abord. Une information du petit colibri. Voilà. Ils vont faire un changement de box. La box va changer. Mais va rester la même il paraît. Jusque maintenant. Jusque j'ai entendu. On aura toujours nos deux livres. Maintenant il n'y aura peut-être plus de goodies. Je ne sais pas. Il faudra voir début janvier. Enfin... fin janvier quand je l'aurai, parce que là je viens de recevoir, on est le 6 janvier et je viens de seulement voir celle de décembre. Du coup j'espère que je l'aurai pas en retard, je peux en regarder en même temps. C'est ce que je suis occupée à faire, ce janvier est payé, voilà. Du coup voilà, elle va partir en préparation je suppose. Ah, j'ai pas le bon livre. J'ai pas reçu ça. Enfin, je le lis, tiens. C'est pas grave. Alors, le deuxième goodie, c'est ceci. C'est du chocolat suisse. Collection pure. 33% de cacao. De Villag. Pur chocolat suisse. C'est une tablette de 100 grammes. C'est rare qu'on a ça. On voit que c'est fin d'année. Après là on a un petit papier avec le chocolat et le porte-clé. Une tablette de chocolat au lait de Suisse. En décembre notre équipe mis sur le plaisir au chocolat pour nous permettre de vous emmener vos papis. Vos papis à la découverte des terrains nervertiques avec un saveur chocolat. Darling Switch. Oh, en le disant plusieurs fois, je ne sais plus le dire. Il vous fera fondre par les qualités, les gourmandises. Ouais, enfin, il va nous faire fondre quoi. Et le plus important se trouve là-dedans. Je dépousse à l'air. Dedans. Normalement, ils vont plus être comme ça. Aussi. Par contre, je vois sur le site qu'il y a eu une interruption à mon bouquin. Il faudra que je signale. Du coup, c'est parti. Je prends le premier. Ça, c'est bon. Touloulou. Il est beau. Les couvertures sont belles. Je ne connais pas. Écoute la petite musique du clou des anges. Apprendre à guérir de ses blessures d'enfance. Un roman chez Pocket. Odile Kayazi. Voilà. C'est écrit petit chez Pocket. Je trouve que c'est toujours écrit. Je vais vous parler. Je vais lire la quatrième de couverture. Ça va, mon petit chat? Ça va, bébé? Ça va, bébé? Raphaël, artiste peint à fleur de peau, a découvert longtemps rendu un lieu avec son père qu'il n'a toujours rejeté. Lorsqu'elle apprend son décès, toutes ses blessures refont surface à 39 ans. Elle rattrape par ses pensées que faire du clan des anges, la magnifique mesure que son père lui a léguée. À Giverny, doit-elle fouiller son souvenir ou de ses
se conforter enfin à son enfant douloureuse. Pourquoi par Fanny, son ami de toujours, et pas Paul, le mystérieux jardinier de la propriété. Elle décide de s'installer dans la maison de son père, ou ouvrir ce lieu magnifique à l'autre personne qui, comme elle, cherche à l'inventer leur vie, pas à pas. Raphaël ose revisiter son enfance, ouvrir aux autres et faire vibrer en elle petite musique de vie. Le roman plein de douceur et de bienveillance. Une lecture musique. Je lis en chaussettes. D'accord. Voilà pour le résumé. J'espère que vous aurez compris, mais elle est très belle la couverture. Et alors sur le site, je vois que je devais avoir les gentilles filles vont au paradis des autres là où elles vont. Mais j'ai pas eu ça pour le deuxième. Le deuxième, j'ai eu ça. Je l'ai déjà. Mais sur le site, je n'ai pas eu. Du coup, je vais faire un mail directement après cette vidéo. Du coup, je vais quand même vous le présenter. C'est Un jour en décembre de chez Pocket. C'est encore de Pocket. Là, c'était je l'ai lu. De Josie Silvers. Voilà. Et c'était un jour de... Ça va passer. J'ai un truc qui me gratte. Une petite gorgée, ça va passer. Un jour de neige en décembre, à travers la vitre embrouillée d'un bus londonien, Laurie aperçoit un homme. Leurs regards se sont croisés et le bus démarrait en cet instant, suspendu, magnifique. Celle qui pensait que le coup de foudre n'existait que dans les films tombés désespérément amoureux. Pendant des années entières, elle étudie tous les visages, sonde les foules, apprend la ville pour retrouver son vin. Jusqu'à ce soir de Noël où sa meilleure amie et colocataire lui présente un nouvel homme de sa vie, Jack, l'homme du bus, il y a 10 ans. De chasse croisée, tu trouverais à l'occasion manquée, j'aurais-t-il réussi. Oh, la langue de lire. Préparez-vous à être emporté dans le tourbillon d'une incroyable histoire d'amour. J'ai été complètement charmée. Il est trop beau celui-là, je l'ai déjà. Du coup, je vais faire un mail à Petit Colibri. Voilà pour les deux livres que j'ai eu, que je vais pas avoir. Ça va être compliqué de vous montrer. Je vais essayer de vous tourner la caméra. Vous allez me voir de tout près par contre. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, c'était celui-là que je devais avoir. Attendez, je tourne la... Je devais avoir ça et celui-là qui était bon, celui-là que j'ai pas reçu. Voilà, je pense qu'il m'aurait beaucoup plu. Voilà, je vais vous remettre en place. Comme ça, vous avez vu le livre que je devais recevoir. Du coup, je vais vite faire un mail. Bon, je vais pas faire un mail avec vous quand même, je ferai après. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Mon adresse mail est dans la barre d'infos. Allez checker tout ça. Venez me rejoindre sur mon Instagram. J'essaye absolument de mettre plus de photos, vidéos, de stories de moi. Ce matin, j'ai mis une photo de mon livre que j'ai lu, que j'ai terminé. Voilà, et sur ce, moi je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, bye bye tout le monde!